pas et passer devant l'écran avant un virage. Si c'est trop sale, T1, tapez 1. Si c'est trop long, 25 minutes, tapez 2. Si vous n'avez pas le circuit, tapez 3. 20 seconds. Ouais, bonne course à tous, les gars. On essaye de rouler maximum propre. Et si vraiment c'est dégueulasse au premier tour, on restart. Si y en a un qui met pas prêt, 20 seconds. Ouais, si y en a un qui met restart rapide, je sais pas comment on fait. Y'a un tour entier de formation. Non, 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 y en a. Non, non, non. Non. Ah ouais, bah. Go in double fire. Ça a changé la donne. Il faut histoire au meilleur litige. Notre course, les gars. C'est ridicule. Ah ouais, gardez les piquets sur le virage, s'il vous plaît. Ça met pas un repère, s'il vous plaît. Tapez pas les panneaux. Rusty nique pas ma course, gros. Putain. Yellow flag, sector 2. C'est fou. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Oh, stop pour clear on the right. C'est la dernière fois hein, par contre, hein. Vraiment. Car on the left. Oh non, je vais t'en prendre, je vais t'en prendre. Clear on the left. Je vais repartir un peu plus. Car on the left. Oui, oui, il y a litige, ouais, ouais, mais. Clear on the left. Il annonce à chaque fois, et là je l'ai vu arriver dans mon rétro, j'ai laissé un peu de place. Qui c'est qui est pas parti là, qui est dans le stand avec moi? Silver? Silver il est pas en ami, il est dans l'autre fil. Vince, mais c'est pas fait avec. Ah merde! J'ai pas vu. Je vois que 3, je vois que Silver, Rusty et moi. Le volant est parti un peu. Ah, je vais tourner un effet, ouais, compliqué. Ça a accéléré. Ouais. Non, c'est Silver. Silver, apparemment, son volant il a bugué. Naïlik. Bah je sais, mais il faut qu'on voit et tout. Je peux rejoindre la session. Bah là on est déjà en course. Alors si tu veux rejoindre en plein milieu, vas-y si tu veux. Mais... mais je crois qu'on peut pas rejoindre en course aussi.
fait une fois pour l'air en sortant des stands, c'est tout. C'est serré devant. Comment ça il t'a fait, il a fait quoi? Il s'est mis dehors, il est revenu sur la piste, il a mis des fesses. Tu t'es mis dehors tout seul. Très bien. Le bouchon. Oula. Je me suis mis un peu dehors dans le virage à l'aveugle. Parce que sinon c'était fini. C'est quoi le 9? Ah, le numéro 9. Moi je l'aime bien. Yellow flag, yellow flag, be careful. Ouais, il y en a plein qui m'ont dit qu'il ne l'aimait pas. Très bien. Comment on trouve des bons setups sur ACC? Alors la plupart du temps c'est soit tu sens toi de les régler toi-même. Ouais, chaque voiture a son propre setup sur son propre circuit. Genre t'as le setup que t'as pour une Porsche en Monza, il n'y aura pas pour une Porsche en Monza. Sinon elles sont juste pas de la risque. Mais chaque voiture a son propre setup. C'est bon. Sur YouTube, il y a des setups. Ouais, il y a des setups, mais après, je te recommande pas forcément parce que. Bon, tu peux essayer, mais parce que toi, t'as l'habitude. Je crois que tu viens de commencer, Nelly, c'est ça? Commencer les setups sur YouTube, ils sont trop durs. Ils ont galère, ouais, voilà. Mais après, sinon, la plupart des réglages agressifs de base sont quand même pas trop mal pour commencer. Mais pour toi qui conduis très bien, quelqu'un qui connaît pas du tout. C'est franchement les setups agressifs de base hein. Moi j'ai roulé avec ça pendant longtemps. Et après bah, on part de cette base là, la ville dans les réglages. L'amplitude de piquer. Quand tu commences? Ah, tu parles. Si tu roules en Porsche? Là tu parles pas en général. Toutes les voitures, ok. Slow car ahead. Mm-hmm.
réglages qui n'expliquent pas l'incidence des réglages. En fait, tu peux en trouver, mais c'est des trucs que les gens qui l'ont fait, eux-mêmes. Et après, franchement, en touchant, il faut vraiment toucher pour faire de la vidéo et tout. Si tu veux faire vraiment tout ça, c'est chaud. Les mecs, ils s'y connaissent réellement, ils savent ce qu'ils font. Et nous qui connaissons rien, bah, tu touches, tu vas essayer. Donc, tu essaies d'être le plus à l'aise possible. Alors, ça veut pas dire que les setups sont dingues. Si toi t'es à l'aise et que t'arrives à faire des chronos qui te conviennent, bah fou toi. En avant. C'est ça. Essaie de. Il y a en lui. Je sais pas à part lequel setup tu voulais voir. Et ici il y en a pas. Ah mon PC, parce que si tu peux. Si tu veux descendre, moi j'ai un Logitech, j'ai ma bouche déjà pour moi. Et après pour le PC, ma config elle est dans ma bouche juste en dessous du live. Je n'ai pas fait, je crois que je n'ai pas fait de commande. Ah, quel tour? Car on the left. Clear on the left. Tour 6. Pour tenir. On a quoi? JD Mavo tour 3. Merci. Car on the right. Clear on the right. DLC bah franchement moi je les ai tous parce que bah à force parce que mes potes ça fait longtemps qu'ils y jouent, du coup bah pour rouler un peu partout je les ai pris petit à petit. Mais au début t'as quoi faire quand même pas mal sans les DLC. Ouais quasiment ouais carrément. Moi j'ai roulé, ouais j'ai roulé au moins deux mois qu'on peut sur l'arrivée. Je suis sorti juste en time. Je te bloque. Car on the left. Clear on the left. Non. J'essaye. C'est dessous sa droite étant, je crois que j'allais sortir. 35 000 n'est pas compliqué, pour 50 euros ça va. Ouais non ça va, ça reste correct. Hein. Enfin, pour un jeu comme ça, c'est vraiment pas cher. Moi
Ouais, c'est normal. Yellow flag et ça tourne. On va pas de me sortir. Là, j'ai vraiment, je pense que c'est vraiment le dernier virage avant la ligne droite quand elle est arrivée là que j'ai plus de mal. Et là, c'est les autres, certains, j'arrive à les prendre un petit peu de temps en temps. En plus, taxi, j'avais pas vu. C'est le premier que j'ai pris. Moi. Non, mais franchement, ce film là est dingue. C'est le premier que j'ai appris. Après Monza. Slow car ahead. Je reste en Italie un petit moment. Yellow flag ahead. Watch out in front. Tu vois, il vient à Calvert. Quand tu le vois. Car on the left. J'arrête, qu'est-ce qui se passe, Silver? Ouais, l'AQ c'est vraiment cool. Moi c'est sur celle-ci que j'ai commencé à dire bon bah finalement je suis pas trop nul. Déjà bah, je suis capable de conduire un petit peu. Quand j'accélère là comme un bêta. Le SAV de GTEC, hein. Il est récent ton volant. Ouais.
peut-être 3. Je sais pas si tu entends bien, mais Melvin se dit, il dit que si ça accélère tout seul, apparemment c'est peut-être une potentielle mètre qui accélère tout seul. Bien pensé. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est les circuits où tu fais un tour en 1 minute 20, des bananes. Putain, si j'avais pas vu cet accident là, j'aurais fait une course monstrueuse, ça me fout des démon. Oh putain. Ah oui, voilà, je dis ça, je me fous rien. Sur le USB 3. Ah ouais, c'est possible que ça soit lui. Que ça soit le port USB aussi. Ça ouais, les couleurs, moi je le sais. Mais moi, mon volant il est branché sur le 4, le rouge maintenant, le 4. Ouais. Ah ouais? C'est quelle couleur? Arc-en-ciel. Oh là là, putain, je me retrouve dans le peloton. T'as perdu ton binôme. C'est deux ans genre max et après il est mort volant, c'est ça qui dit le style.
Logitech. J'ai pas vu. Max, et après en général il lâche ça, il lâche à 2 ans et à 1 mois. Non, j'ai 27, j'ai fait 6 ans avec. Ah, quand même, ça va, 6 ans c'est bien, c'est rentabilisé. Ici, mais j'ai maintenant 4 ans. C'est ça, vraiment, t'as 4 ans si je l'ai appris, si j'ai 4 ans. Bien la rotif, de toute façon j'ai la sauvegarde automatique normalement. Le moment que t'en prends soin, il va durer longtemps, faut penser. Merde! Non, 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 non! Si, il y a marqué leader, il finit sur. Franchement, moi je me régale, je me redéna. Course terminée, si c'est bon, course terminée pour moi. Je kiffais trop, je me fais arracher. Hop là. Il y a eu des accrochages de partout, les gars. Ouais, ouais. Comment tout le monde a fini là? Attends. Là, tu vas dans le garage et tu vas sur. Ouais, il s'est mis dans le mur, Mawa. Mawa, il s'en bat les couilles du car contrôle. Là, il était en roue libre. Oh, Meunier! Meunier P4. Hein. Bah, il a dit P5 ou P6. Il vient de le dire. GG les mecs, GG tout le monde. Ah bah ouais,